Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2, toujours sur PC. Nous allons tout simplement reprendre les quêtes principales, je pense, ce qui va nous inciter à remonter là-haut, mais avant ça, il y a plein de quéquettes bleues à faire partout, vous voyez, et on va donc aller se faire ces petites quéquettes bleues, parce que les quéquettes bleues, c'est la vie. Normalement, je peux passer par-dessus tout ça, maintenant. Oh, bonjour, Tricolo. Il fait du tricot. Bon. C'est la vie de pouvoir passer par-dessus, je gagne un temps fou. Ça, c'est le téléport. Alors, où est-ce qu'est ce bonhomme? Là, c'est Apple. D'accord. Bonjour. Je suis le seul à voir ce poisson en train de griller ou... D'accord. Hop, je ramasse ça. Capsule d'aura, oui, si tu le dis. Boum. Forêt de bambou, oui, d'accord, ok. Bon, on y va. Un Saiyan, mais qu'est-ce qu'un Saiyan fait là? Attends, les Saiyans sont des guerriers, nous pourrions tirer avantage. Et toi, que dirais-tu de rejoindre l'armée de Freezer? Nous avons besoin d'aide pour vaincre un adversaire dont la puissance égale celle du Seigneur Freezer. Et si quelqu'un arrive à égaler le Seigneur Freezer, alors nous avons peu de chances de le vaincre. Ton âme de Saiyan est-elle impatiente d'en découdre avec un tel adversaire? Bien sûr, nous te récompenserons si tu nous aides. L'armée de Freezer finira par contrôler l'univers tout en entier. Quoi qu'il en soit, acceptes-tu de nous aider en notre heure la plus sombre? Oui, 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 bien sûr. Bah, Son Goku, écrit là. Tenue de combat de Sangohan. Oh, putain. Mon nom est Sangoku, le Super Saiyan! Ah, ça peut être classe, ça peut être très très classe. On va bien voir. Bon. C'était pas prévu de refaire des quêtes secondaires dans cet épisode. Donc bon, on verra bien. Ah! Demain, faut absolument que je me concentre uniquement sur l'histoire. Uniquement. Hop, on y va. J'ai pas mis mes points. Boum. Boum. J'ai pas mis mes points pour... Joli la chope. Oh ouais, j'aimerais bien. Voilà, c'est bon. Hop. Boum. Oh bah dis donc, si peu de dégâts. Hop. Allez, je veux le finir. Ah, je peux pas le finir, dommage. Oh. Sangohan. Non, je veux taper sur Sangohan, s'il vous plaît, le gamin. Je veux taper sur le gamin. Je me dirais, c'est mieux que de vouloir taper dans le gamin. Mais merde! Arrête de chier dans mes combos! Boum! Allez, regarde-moi! Gohan! Bon, Gohan, tu me regardes ou tu me regardes pas? Hein? Il veut pas, hein. Il a aucun intérêt pour moi. En même temps, je me rappelle une mission où ils sont tous attaqués à... Ah, il l'a encore dit, Piccolo-san. Otto-san. Oh putain, fait chier. Hop. C'est bon. Le gamin, on s'en est occupé. Vegeta! Hop. Hop. Boum. Crac. Boum. Encore. Il a toujours pas l'intérêt pour moi. Hein. Dommage. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voudrais annuler le Kaioken. Je voudrais annuler le Kaioken et ça va être compliqué. Oh, Krilin. Pourriez avoir de l'intérêt pour moi, s'il vous plaît? Attendez.
Y en a un que je vois pas. Si, ils sont tous les deux là. Krillin ! Mais merde ! Hop ! Ah, y'en a un qui me regarde apparemment. Ça doit être Goku. Si j'arrive à buter. Ah merde. Si j'arrive à buter Krillin. Ça serait cool. Ça risque de faire. En fait, si je bute Krillin, il risque d'y avoir une réaction de la part de Goku. Ce qui devrait être, à mon avis, le. Le comment. Le trigger de la suite de la mission. Comme dans le manga, en fait, littéralement. Vous voyez, c'est... en plus, c'est le même hurlement. Allez, vas-y! Transforme-toi! Mais pourquoi il fait un Genkidama, ce con? Vous voyez? Regardez, fin et transformation. C'était j'étais persuadé que c'était ça. Cool! Oh, je cours! Mais où est-ce qu'il est? Hé, hey, Blodiné! Ah, je suis venu juste... Boum! T'aurais dû utiliser le Kaioken! Blah, raté. Tu pourrais avoir de l'intérêt pour moi, s'il te plaît? Boum! Oh, raté! Moi aussi, je peux le faire. Hein. Hop! Par terre! Non, pas de Kamehameha. Hop. Boum. Par terre. J'ai pas l'énergie suffisante pour faire mon Big Bang Kamehameha fois 100. Je suis vexé. Hop. Dommage qu'il ait fait le... Ah, je m'en doutais que ça toucherait pas. Je m'en doutais que ça toucherait pas. Dégage, voilà. Je m'en doutais que ça toucherait pas parce que... Il a fait l'esquive, sinon j'aurais pu profiter du temps qu'il caste le... Comment le... La partie la moins intéressante. Par contre, j'ai quand même obtenu le Sangoku, le Super Saiyan, et meurt. Et la retraite de tir étendu. Bon, bah c'est cool. J'ai obtenu tout ce qui m'intéressait le plus, finalement, dans le... Dans les objets obtensible, hein, je pense, hein, obtenable, je sais pas, bref. Dans les rewards de la mission. Ah, tu as réussi, merci beaucoup pour ton aide. Le Super Saiyan n'était pas au niveau du Seigneur Freezer, en définitive. C'est normal, après tout, personne dans l'univers ne venait de taille face au Seigneur Freezer. Ah, 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 l'armée de Freezer va enfin connaître un futur radieux. Tu as fait du bon travail, pour tout te dire, je ne pensais pas que tu y arriverais. Je n'hésiterai pas à faire appel à toi par la suite. Merci de... En fait, je fais de l'intérim depuis le début, j'ai pas fait gaffe, mais... Modifier l'équipe. Ah, et c'était cool, ça. Ouh, ça me plaît, ça. Bon, on n'aura plus qu'à voir. Boum! Alors, les autres quêtes. Est-ce que je peux passer par là? Bon, vous rendez compte que ça, là, ce que je fais là, passer par-dessus, on peut pas le faire dans la mission... dans la zone de mission des Saiyans, là. Mais on peut le faire ici. Alors, par contre, il y a deux trucs l'une à côté de l'autre, vous avez remarqué? Pourquoi... Qu'est-ce que... Je me fais agresser? Hé, toi! Oui, c'est à toi que je parle! Attends! Ça va être long de t'en expliquer la raison, mais je dois te mettre une bonne raclée. En garde! Bah, écoute... Je me fais agresser. Voilà autre chose. Dans le ciel en plus. Donc c'est une zone de mission qui est quand même assez stylée. Ah, il essaye vraiment de me mettre une raclée. Non mais attends, tu me l'as fait une fois. Hop, retourne par terre s'il te plaît.
Ouf, la vache, ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Boum. Il y aura pas de troisième. Ah non, c'est parce que je dois avoir des compos qui m'baissent mais je dois avoir de l'équipement qui me baisse de trop ma capacité à avoir du ki. Raté. Oh merde, moi aussi j'ai raté. Ah, j'étais bien nul là, hein. Ah, tu l'as pas vu venir ce coup-là, hein. Voilà, fini. C'était d'une difficulté sans nom. Victoire. C'était même pas dur, quoi, enfin... Je me suis fait agresser par un sbire de Freezer, mais... Voilà donc l'étendue de ta puissance. Félicitations, tu as réussi mon test. Tu es désormais des nôtres. Je suis certain que les seigneurs de Freezer, que le seigneur Freezer sera ravi si tu le rejoignais. Reviens me voir si tu veux nous rejoindre. Tu ne le regretteras pas. Ok. C'était le pire entretien d'embauche de toute ma vie. C'était très 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 bizarre. Ah bah ils sont... D'accord. Ah, deux femmes. Alors laquelle est la plus mignonne? Cheveux noirs, cheveux violets. Yeux violets. Yeux violets. Non mais je sais pas. Ansaya et Yesta. T'as un pistolet, je préfère te faire confiance à toi. Oh, c'est toi qui as mené la mission importante il y a peu. Tu arrives à point nommé. Je cherchais justement quelqu'un avec qui m'entraîner. Et puis tout le monde aimerait connaître l'étendue de ta puissance. C'est dû à être populaire, n'est-ce pas? Tu comptes refuser? Je ne te laisserai pas te défiler. Allez, bats-toi! Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix d'homme au début, mais bon. Oh, un contre deux. D'accord, vous êtes des sacs. Je pensais que j'avais le choix, mais non. Ce sera qui ma future copine? Ce sera qui ma future copine? Raté. Ah, ça, sachant que ça va être saoulant. Ah! Raté. Hop! Ça ne suffira pas. Je pensais que ça suffirait compte tenu de la puissance. Hop! Je les gouaque un peu. Hop les. Et la dernière. Bon, et oh. Tiens, c'est pas parce que t'es une fille que j'ai pas à te faire bouffer les trous d'estomac. Hein. Ah. Donc je dois avoir de l'équipement en fait qui m'empêche de charger mon ki comme je suis censé pour être en mesure de le faire. Allons-y. Boum. Hop. Boum. Voilà, fin. C'est pas trop dur hein, pour ces missions, donc ça va très très vite, remarque. Mais bon. Ok. Merci pour l'XP. Oui, j'ai plein de points à mettre, effectivement. Un nouvel événement d'entraîneur est disponible. Consulte la carte avec RT. D'accord. Ta puissance est impressionnante. Je vais devoir m'entraîner sérieusement si j'espère un jour te battre. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Je sais que tu dois avoir des journées rechargées. J'espère pouvoir à nouveau m'entraîner avec toi. D'accord. Je te le dis. On va mettre nos points. Moi je crois que c'était 18, 42, 42. Voilà. Et là, un maximum de points. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et ensuite je mettrai des points dans les super Kikoa, je pense. Kirito! Bah oui, la grosse référence. Bah, tu me diras, il s'appelle comme il veut. Hein. Désert champignon, faut que je monte tout en haut. Metal cool. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne pensais pas qu'il restait des Saiyans en vie, aussi résistants que des cafards. Je tuerai tous les Saiyans, je te détruirai aussi et je prendrai ton énergie vitale. Oh oui, pompe-moi mon énergie vitale. Si ta puissance est suffisante, je ferai peut-être même une armée de Metal Saiyans afin de conquérir la galaxie. tu peux tenter de me résister si tu le souhaites. Le résultat sera le même, mais ça me permettra de tester tes compétences. Voilà, on y va. Bah, 20 Metal couleurs. Détecteur de d'or, petite capsule, lame de Souther. Souther! Allez voir.
Si je peux récupérer le détecteur, ça serait cool. Je me rappelle plus du tout de son détecteur à lui. Pas du tout. La colère de Metal. Oh, c'est génial, c'est l'espèce de temps dragon. Ah oui, il y en a. Ouh, je fais pas assez de dégâts. Oh, si, peut-être que si. Bon, bah, j'ai rien dit. Et de 1. Ah, j'ai pas assez de ki, merde. Oh, mais non! Ça marche vraiment qu'au corps à corps. Hein. Hop, et de 2. Merde. Et de 3. La vache. Dommage. Hop, proton par terre. Ah la vache, ça a bugué. Il est passé en dessous du tir. Boum. Ah bah non, faut pas exagérer non plus. Dégage. Hop. Et un de plus. Hop. Un autre. Ah merde, le combo c'est pas terminé. Ah. Quel dommage, là aussi, il s'est pas terminé correctement. Ok, suivant. Hop, parfait. Aïe. Hop. Ok, parfait. Joli. Et il s'est mis en garde. D'accord. Ok, on est à 10 sur 20. Ce qui est une très mauvaise moyenne. C'est bon, celui-là on l'a eu. Boum, on l'a eu. Oh, t'es sérieux? Ah, la portée avec la queue, quoi. Ça devrait en tuer quelques-uns normalement. Eh ben voilà. Hop, ok. Ça passe. Est-ce que je rêve ou est-ce que je peux pas aller au-dessus de 15 000? Ouais, c'est ça. Tu permets? Hop. Je tape tes copains. Aïe, ah, joli la shop. Oh la vache. Ah, le jeu montre des limites. Vous avez vu qu'il a lagué légèrement? Hop les. C'est pas celui que je visais, mais c'est pas grave. Hop. Parfait. Et enfin, les deux derniers. Oh, je suis vexé. Hop. Oh, il a survécu. Pourquoi il en a plus que... Ah, j'imagine qu'il y en aura plus que 20. Hop. Kamehameha, une main. Boum. Fin. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah. Voilà, parce qu'il est forcément se passer quelque chose. Couleur, forme finale, d'accord. Allons-y. Je vais te battre, t'inquiète pas. Hein. Quoique ça va être un gros sac à PV, je veux pas dire, mais... Et pas qu'à PV, apparemment. T'es sérieux, là? Hop. T'arrêtes de parer tous mes coups. Ah mais non. What? Ah d'accord, merci Vegeta. Hop.
C'est vraiment un gros sac à PV, hein, je veux pas dire, mais... Vas-y, Vegeta, s'il te plaît, ce serait cool. Big Bang Kamehameha! Je l'ai loupé! Merde! Ah! Bah, tu te prends des baffes, hein. On retente. Mais comment j'ai pu le louper? Merde! Hop! Vegeta, tu prends cher! Non, t'es sérieux? Hop, repars chez toi. Ah, ah merde, il a repris l'intérêt sur pour Vegeta. Par contre, il va m'avoir, hein, je veux pas dire, mais il va complètement m'avoir. Oh la vache. Pourtant, il est rapide à balancer ce truc. Merde, Vegeta va crever. Hop. T'es sérieux? Mais non, mais... Mais non, mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, même pendant mon... Mais tu peux me retourner? Mais... Il me retourne même pas, j'ai pas le temps de me retourner! Bah oui, c'est normal qu'il est mort, oui, je comprends bien qu'il soit mort. Victoire, ouais, tu m'étonnes. C'est pas vraiment ce que j'appelle une victoire. Bon bah au moins j'ai eu ce que je cherchais. Mais ouais, bon bah apparemment j'ai juste pas le niveau de puissance pour lui faire suffisamment de dégâts. Ce qui est assez triste en soi. Hein. Ce n'est pas terminé, je peux rester autant de fois que je le souhaite et continuer à évoluer. Oui, bah tu m'as battu, donc... Enfin, je considère que tu m'as battu, donc bon. On va aller voir ce que c'est que ce détecteur. Oula. Non. Non, je pense pas que... Non. Non, moi ça me tente pas de le porter. Du coup, je sais pas quelle heure il est. Parce que du coup, l'épisode avance. 21, ça fait 20 minutes d'épisode là. C'est vrai que c'est un peu court. Ou alors, je refais de l'histoire dans quelques temps. Je refais l'histoire demain et je continue un petit peu les quêtes secondaires tout de suite. Je sais pas. Ouais. On est quand? On est mardi, donc j'ai encore mercredi et jeudi. Ouais. Ouais, je peux faire mercredi et jeudi de l'histoire. Allez, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'épreuve d'entrée du commando. Sprint Sonic, contrôle du temps. Ouais, d'accord. Flash Mystique. Perruque de Sangoku. Non, pourquoi perruque de Sangoku? Bon, on va faire l'épreuve d'entrée au commando. Oui, chef, on devait rentrer dans le commando. Ah oh, bah ouais. Bon, bref. Désolé. Sincèrement, désolé. Hop, alors, qu'est-ce qu'on prend? Blah, tout se casse la gueule. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là. Celui-là. Si, c'est bon, ça. Ok. Ce qui est bien, c'est que j'ai débloqué aucun autre personnage en fait, vous avez en dehors de l'histoire. On va prendre ce petit. Ah, il a pas l'armure, vous avez remarqué en fait, il est à poil. Il est complètement à poil. Bah, on y va. Bah, Burter Jai Serikum. Pourquoi pas. Oh, mais en fait, c'est exactement la même quête que dans le précédent. Sauf qu'en fait, on aide Guldo à rentrer dans l'équipe. Ah, c'est parce qu'il y a eu une latence. Toi, t'es lent par contre. Mais non, mais... Hop, voilà, ça c'est fait.
La suite. Si vous venez tous un par un. Je crois que si Guldo arrive à avoir 50% de PV en plus, enfin à avoir plus de 50% des PV, ça passe. Mais laisse-moi passer! Hop! Hop, voilà! Celui-là, ça devrait être bon. Voilà. Rikum! T'as raison, tape Sangoku, c'est mieux que de taper. Guldo. Hop, moi je te chope au passage. Ah hop! Ah là 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 là! Ta! Ah là 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 là! Faudrait que je regarde les épisodes de Dragon Ball que je puisse me remettre dans le bain. Ah! On va attendre, la barre va remonter super vite comme ça. J'ai rien dit, Guldo vient de se prendre un coup. Voilà. Ah, forcément, ils vont tous revenir. Le résultat. Non! Oh non! Le résultat déterminera ta place dans la pause finale de l'équipe du commando. Quelle horreur. Et tu peux éviter de parer mes coups, s'il te plaît? Psychologiquement, ça me fait mal. Ouais. Avec un peu de bol, j'ai passé au travers, mais non. Merci d'être passé devant moi. Hop! Tu peux avoir de l'intérêt pour moi ou... Bon, moi je vais m'occuper de Rikum alors. Et c'est fini. Guldo a pas le droit de revenir, par contre ça c'est d'une tristesse. Big Bang Kamehameha raté. Passe jamais cette technique. Je suis vexé. J'ai pas eu le ki nécessaire. Raté. Je m'en doutais que ça passerait pas, mais enfin bon. Dommage que ce soit pas Guldo qui le bute. Si seulement. Ah la vache, mais je peux faire quelque chose ou pas? Voilà, merci. Et c'est fini. Bah voilà, on a réussi. Guldo, tu fais partie de l'équipe. GG. Avec la petite musique, genre c'était difficile. 4 points supplémentaires, ça va pas être inutile. On n'a rien obtenu du tout sur cette mission. D'accord, bon. Pas de chance. Je vais quand même mettre les points. Et je vais les mettre... Je vais les mettre ici. J'ai besoin de frapper. Hein. Si je fais pas assez de dégâts en tapant, c'est pas bon. Commando Ginyu en force. C'est pas ça la fameuse mission? On va bien voir, on va bien voir. Hop. Je suis pas réveillé, je suis désolé chers amis, mais je crois que c'est ça la fameuse mission en question qu'on doit réaliser pour la jeune femme à gauche du stand de mission. Du coup on prend qui? T'as l'air chiant toi, c'est pas possible. Hmm.
Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de prendre le commando Ginyu. On va prendre notre personnage classique, hein, tant pis. Hop. Avec cette fois-ci les deux frères. Hop, on va les mettre comme ça et on verra bien. Hop, la suite. Donc ça au niveau des traitements, c'est bon. Ok. Hop, on va aller le plus vite possible. Il me semble que dans cette mission, ça doit être aller le plus rapidement possible, qui doit générer le trigger, enfin faire le trigger. Mais merde. Ça va. Ah mais merde. Hop. Ok. Par contre ça tu me refais pas s'il te plaît, merci. Boum. Voilà, et de 1. Hop. Boum. Je fais toujours dadada, je sais pas pourquoi, hein, c'est... J'aurais pensé à faire ta 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 aussi. Ah bah cool. Vous êtes trop balèzes les filles. Hop, la suite. Ok. Ah, fallait pas garder cela pour la fin. Merde. Boum. Oh, il a fait mal ce combo. Boum. Boum. Et c'est fini, voilà. Dommage, j'étais hors de portée. Il est plein de sang le pauvre. Ok, ah, 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 ah. Ginyu. Hop. Et là ça passe celui-là ou pas? Y'a rien qui passe. J'ai l'impression que c'est super Kikoa, ils passeront jamais. Boum. J'arrive pas à savoir dans quelles conditions je peux les passer en fait. Merci pour le combo qui est loupé. Oh bah dis donc, il l'a esquivé, je sais pas encore trop comment. Hein. Lui, je sais plus ou moins comment il a fait, ça me saoule. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Boum. Oh, je sens qu'il va être fini de manière moisie. Je l'ai sauvé d'une fin pathétique. Voilà, merci. Il va revenir sous la forme de Goku. Tiens, regardez, il a disparu, c'est rigolo. Ah, on va charger un coup. Parfait. Hop. Bla. J'ai l'impression d'avoir les cils qui bougent tout seul. J'ai les cils excités. Ah. Je me pose. Oh, carrément. Oh, oh, oh. Non mais t'as cru? Oh, gamin. Tu vas arrêter de te frapper toi-même, déjà, de base. Oh, serait-ce un sac à PV? Par contre, t'évites de tomber en plein milieu de mon cou. Aïe.
Boum. Là, tu l'as senti, celui-là, hein. Ah, par contre, j'aurais préféré l'avoir buté avant. Thalès. Ah non, Ginyu. Y'a un de mes potes qui est venu le frapper. Mais c'est bien, elle est complètement arrêtable cette cette ulti. Quand je vois que des fois je balance un ulti et je me fais arrêter en plein milieu parce que je me fais frapper, lui je le frappe, je le frappe. Pensez-vous que ça allait l'arrêter? C'est cool, j'ai l'impression de faire mes téléportations dans le vide des fois. Quand je te frappe, tu veux bien te prendre des dégâts, s'il te plaît? Comme là, par exemple, là. Là, tu t'es pris des dégâts, tu vois. Allez, viens, chaton. Voilà, c'est fini pour lui. Ah non, il reste encore un petit peu. Forcément. Voilà, là, c'est bon. Bon, Ginyu. Hop. Ça devrait être facile. C'est même pas moi qui l'attaque. Pourquoi tu t'en vas? Bon, ça c'est fait. Bon, ça c'est fait aussi. Hop. Ça me saoule. Ça me saoule qu'ils viennent casser mes combos. Ça me saoule. Ah là là. Bah parce qu'il peut y en avoir un. Déjà il y a Freezer qui était censé être de base plus fort que toi. Ok, ok, on n'a rien obtenu du tout. Comme ça c'est clair. Au niveau cosmétique et technique hein, je veux dire. Bon, on va aller voir la demoiselle. Oui, c'est moi, nous entendons à toi ceci, d'accord. Tenue de caillou, tenue de caillou, tenue de caillou. J'espère que c'est pas une tenue de caillou en règle générale. Parce que c'est une tenue qui est techniquement assez laide. Hein. Ah putain. Pourquoi j'ai posé la question? Pourquoi j'ai posé la question? Alors, qu'est-ce qu'on a là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas eu une... Il y a un truc que j'ai pas eu en rang Z. Ah oui, c'est parce que je faisais pas assez de dégâts, exact. Là, il nous en reste encore plein. 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Ça fait 10 missions encore. Bon, Murray, c'est pas les meilleurs trucs non plus. Hein, donc c'est bon, ça me choque pas trop. Y'a pas d'autres quêtes secondaires bleues qui sont arrivées quelque part? Non. On va vite fait aller voir Vegeta. Peut-être qu'il aura quelque chose à nous proposer, lui. Ça m'intéresserait, en fait. Ah, je crois qu'il avait quelque chose à proposer. Toi, balance une musique. Voilà. Bonjour. Tu ne mérites le titre de guerrier que si tu peux vaincre tes ennemis, quel que soit leur style. Tu es là pour t'entraîner, n'est-ce pas? Entraîne-moi. J'ai choisi des tâches qui correspondent à ton niveau, donc j'espère que tu vas les terminer. Il n'y a pas... T'as rien d'autre à me proposer, en fait. Nouvel événement d'entraîneur, tu me le fous dans le cul, ou... Merde. Oh, c'est toi, prends ça, ça te servira peut-être un jour. On s'y dodge... Oh. C'est ma femme. Ah bah c'est bien que tu parles de ta femme. Ça faisait longtemps. Tu peux passer un examen. Super saut avant. Et j'ai 15 minutes pour battre ces trois là. Je vais attendre un peu parce que je sens déjà que l'autre combat de tout à l'heure, j'ai pas réussi à faire ce qu'il faut. Pourquoi tu as un symbole d'entraîneur au-dessus?
Ah non, 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 Krilin, je veux pas taper sur un chauve pour l'instant. Merci de proposer quand même. T'as pas autre chose parce que celle-là elle est vraiment pas top, hein. T'as un DLC pour deux chances. Pourquoi je me pose la question? Pourquoi je me pose la question? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, chapeau de caillou, chapeau mou. Casquette de Krilin, elle est géniale, normalement, voilà. Tout ça, je l'ai déjà. Yajirobe, c'est ça qui s'appelle. C'est comme ça qu'il s'appelait. Exact, exact, exact. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Pourquoi il est blanc? Parce que son crâne est blanc lui-même. Oui, d'accord. Enfin, oui, d'accord. Je viens de comprendre. Ok, bon, bah, y'a rien d'intéressant, hein. En règle générale, c'est pas tip-top. Alors là, c'est les vêtements. Qu'est-ce que t'as Est-ce que t'as d'autres vêtements à me proposer? Sait-on jamais. Tenue de Sangohan petit. Ah putain, ça augmente les dégâts de base, hein, dis donc. Tenue de combat de Thalès. Voilà, on va faire partir ça. Crac. Non, pas grand chose, hein. À acheter, je veux dire. Ok, bon. Eh ben, on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Bon, attendez, on va regarder quand même ce qu'ils ont en super RAM. Draine la santé, d'accord. Je préférais l'inverse en fait. Oh, ça, ça peut être carrément intéressant dans les trucs comme compte couleur, tout ça. Ça, je pense que je vais l'acheter. Là, quand je vais avoir combattu 10 mecs, je serai super puissant avec ce truc-là. Qui, au maximum, augmente les déplacements. D'accord. Ça peut être intéressant aussi. Au début du combat, la puissance des attaques normales, d'actiles et techniques, santé inférieure à 25 points. Attendez, qu'est-ce qu'ils appellent les attaques de combat rapprochées? Les attaques rapprochées. C'est bien le corps à corps, non? Ah, il va falloir que je me renseigne. Parce que si c'est les techniques, c'est vrai que j'en ai pas de technique. Modifier les techniques. Oui, j'ai canon garrick, Big Bang. Je vais enlever le canon garrick. Technique de frappe. Je sais pas. Coup de pied sonic, d'accord. Combo spécial commando Ginyu. Non, non, je veux éviter ça. Frappe du météore, classique. On va plutôt mettre le super point du dragon classique, hein. Et on verra. En tout cas, les amis, nous, on se laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!